Hello YouTube, alors aujourd'hui on vous a montré les courses de la semaine et Nicolas avait prévu plus ou moins enfin, ce qu'il allait faire, ses recettes. Donc on a fait la blanquette de veau qu'on ne vous a pas filmée et là on pense. Donc je reprends, on vous a fait les courses, Nicolas avait prévu ses recettes, donc il a fait la blanquette de veau dimanche qu'on n'a pas filmé. Et là ce soir il fait un poulet mariné au citron et au miel, c'est ça Nicolas? Ouais, c'est ça. Et tu vas le faire avec quoi? Du riz et... J'aimerais bien qu'on fasse des haricots verts. Et des légumes. Donc, on va vous filmer tout ça. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si les retours de course vous intéressent, si les recettes vous intéressent. C'est parti, on vous filme ça. Donc là, le poulet, donc il l'a badigeonné de... Tiens, regarde, il y a l'étiquette. De citron. Hein, mais Nicolas, ça serait mieux que t'expliques Ah parce que. ben ouais, du citron, du miel. Citron. Ah, t'as déjà mis le miel? Ouais. Citron, le miel, le beurre, Ah, ça, c'est du du beurre. sel et un peu d'herbe. Et puis j'attends. Et t'as pas mis de poivre, par contre. Donc, pour Ouais, les les enfants, enfants, c'est peut-être moyen. pas. D'accord. Et le miel, tu l'as mis comme ça, là? Ouais. D'accord, ok. Et là, tu vas enfourner de suite? Non, je joue au foot là. Bon, Nicolas est rentré. Il est. Je sais même pas l'heure qu'il est. Il a bien fait mariner le poulet avec le citron et le miel. Il a rajouté des petits oignons, des poivrons. Non, putain, je suis fatiguée. Des courgettes. Là, il est en train de faire des carottes. Et puis, il y aura des patates aussi. Ouais, à côté. Je vais essayer de faire un moule à cake les patates. Ah, des champignons aussi? Non, ouais, tout à fait, ouais. Ils sont là. Ça, je mets au pif. Hein. Ça sent bon le citron en tout cas. On a passé beaucoup du citron. Un Du demi. citron. Ouais, un peu de tomate et basta. Alors Nicolas, il expérimente ce soir. Qu'est-ce que tu vas nous faire encore? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux les faire quoi? Mais ça va faire quoi? Des potatoes? C'est ça, ouais. Des Comme il n'y a pas la potatoes? place là-dedans pour le mettre, et comment puis-je mettre après Tu du sais que bouillon? j'avais un plat un peu plus grand, tu sais, celui en verre est plus grand. Ouais, j'ai mis du bouillon après là-dedans. Donc, Voilà, jusque-là, vous suivez. du sel aussi. Et du savon. Qu'on a ramené de France. Oups, ça va claquer. Qu'on a ramené de France parce que ben ici, on ne trouve pas de bon sel. Je ne sais pas. Montre-le le sel. C'est du sel de Guérande. Sel de Guérande. De la vie claire, tiens. Donc, elle a la vie claire. Je dirais qu'ici ça nous coûte un peu de trouver du sel. Enfin, je sais pas, il est bizarre, non, ici. On a du sel qui ne sèle pas ici, c'est pas mal. Allez, c'est parti, on va enfourner. C'est parti, on enfourne. Et alors, combien tu veux nous mettre là? Bah, je mets 20 minutes à 200 et après je descends à 180 pour 20 minutes 40. à 200 et après tu descends à 180 pendant. Pour 40. Pendant 40 minutes? Ouais. On va manger dans combien de temps? Une heure. Une heure? Oh là, Marie mia. Bon, les amis, ce soir, Nicolas, il est motivé. Il nous a fait le plat et il va nous faire le dessert. Donc, on savoure un peu les derniers jours de vacances des enfants, puisque les enfants ne sont pas encore rentrés. Nous sommes lundi et ils rentreront comme jeudi. Donc, on fait durer le plaisir et on fait des choses festives. Donc, cher Nicolas, tu peux nous expliquer ce que tu vas nous faire comme dessert? Alors c'est des pommes façon tatin avec une boule de glace à vanille. Alors, je répète pour ceux qui n'ont pas le décodeur. Alors, des pommes façon tatin avec une boule à la vanille. On y mettra par-dessus, on va faire un...
quoi, des amandes pliées. Ouais. Enfin, on va vous montrer tout ça, tout ça. Comme ça, vous aurez un plat de résistance et le dessert. Alors là, tu vas nous préparer quoi? Les pommes. Ah, d'accord, tu vas les faire. Je vais les faire à la poêle plutôt que les faire au four, en fait. Au four, à la poêle, à la casserole. Au four, il y a déjà le plat, donc la place est prise. Et en plus, c'est pas plus d'argent. Mais alors quoi, ça va faire une compote, non? Non, 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 du tout. Faut les caraméliser, quoi, c'est tout. Caraméliser. Ouais. Tout à l'œil, quoi. Mais bon. Ça fonctionne. Ce soir, c'est light. Ouais. On rajoute un peu de citron. Tu peux manger raison, mais il faut chercher. Donc là, ne sait pas pourquoi il le je fait. Je sais plus, mais... il y a une raison. Mais il sait qu'il faut le faire. Très bien. Mais. Les abonnés le diront en commentaire. Attends, de ne pas brûler le torchon, gros putain. Et allez. On va manger. Tu nous fais la voix de Maïté? Je sais pas. Elle brûle sur des carcasses. Bien grave. Moi, je pense toujours à Maïté quand on fait la cuisine. Non, Cara. Non, il s'est déjà cassé. Je vais les sachets. C'est pelou. Ouais. Vous n'aimez pas les culs. Un peu de légumes, non. Toi, t'adores? Il faudrait qu'on voit un peu le plat. Et... Mamie. Tout souffle. Mais moi, je sais. Oui. J'ai pas eu trop d'autres, moi. Tu veux y manger? Vas-y, vas-y, on prend. La viande, c'est pas chaud. C'est pour les patates qui sont chaudes. Alors voici la pomme façon tatin avec de la glace à la vanille. Et je vais mettre des croquantis d'amandes. Alors si ça c'est pas de la gourmandise. Et voilà, ils sont réconfortés parce qu'à Barcelone on attend la tempête. Il paraît qu'il va y avoir la tempête. Alors je vais vous donner le verdict. Hello, Evati. Goûte toi aussi qu'il le fera. Ok. Si c'est pas bon. Bon, pas bon. Ah, j'ai pris. Très bon. Très sucré. Hein. C'est gourmand. Il manque plus que la chantilly. Et... Oh, c'est déjà bien. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une soirée avec nous, avec des recettes et tout ça. Si vous aimez ce genre de vidéo, ben. Faites-le moi savoir en commentaire si vous aimez qu'on vous tourne des recettes comme ça. Likez, commentez et puis abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.